clairement dans la Bible. Dernier mot. Ce qui clairement dans la Bible. Et que lui, c'est os paralysé. Mais lui, et puis même là, elle n'a pas vu l'amour, elle dit baiser la Bible. On est bien, on a un homme, 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 vous l'aimez? Il dit toujours, on l'abandonne, il en sort. Il laisse pas faire. On est bon, on est bon. Quel est le pire de venir en ville? C'est ce qui m'a montré. Tout est délivré. Je te montrer pourquoi, c'est ça? Oui, on est bon. On est bon, 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 on est bon. Je dis la main de retour. C'est moi qui a donné Maurice à Bénin. Ah, il est sûr, avec vous, Aniel. Tu m'as donné Maurice à Bénin. La main de retour, Aniel. Tu fais la carte de délivrer. Oh, il pense au rêve. Vous avez marié Aniel. Yeah, 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 yeah! Vraiment, tu l'aimes. Mon nom là, une dernière fois. Monsieur, je suis comme le maire de Guinée. Il a même beau. Vous l'aimez? Il dit toujours. On est nous. Ok, on est le bon. C'est qui m'a montré là. On fait la carte de délivrer. On te dit, il n'y a pas beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup. Donc, on est bon. Ça va? Ça va? Hein? Non, tu es sur le démon qui t'a possédé, voilà. Oh, regarde-moi ici. On veut te délivrer, voilà. Regarde-moi ici. Tu es sorcier, tu n'es pas sorcier. Hein? Mais tu es en train de rendre le diable. C'est pas ça? Tu as acheté ça? Tu as acheté la sorcellerie? Hein? Qui t'a donné? Maintenant, pourquoi tu pleures? On t'a forcé à parler. Tu dois rendre le diable. Tu veux être aidé? De t'aider. Toi, t'es femme. Et puis, tu es partout. Tu vois que c'est pas normal. C'est pas ça? Donc, c'est qui qui fait faire. C'est lui qui fait là. C'est ce que tu vas dire. Amen, amen, c'est ça. Hein? Pour que Dieu te délivre. Là, quand on dit, dis-le. Monsieur, qui va la délivrer? Hein? Il dit amen. Dieu va la délivrer. Là, quand on dit, Dieu. Je vais te délivrer. Toi, c'est pitié. Lui, c'est amen. Dieu va te délivrer. Amen. Dieu va la délivrer. Amen. Tu vas la marier après. Dieu va te délivrer. Tu vas le marier après. Passer la vie. Non, après de ça, ça peut envoyer un problème. Va réfléchir un peu. Si, si. Mais elle a raison. Elle est intelligente. Elle sait qu'elle a envoûté le monsieur. Elle veut merci. Voilà. Hein? Tu l'aimes alors? Tu l'aimes? Tu l'as pas envoûté. Lui, il est un vrai couteau. Malgré la confession, il dit toujours. Moi, on pose sur mon coup. Tiens, on vit pour moi. On envoie un peu l'eau. Comment ça se manifeste près de moi?
Ça fait un coup de coude. Hein? Ballement. Ça fait un coup de coude. Hein, monsieur? Moi, vous pouvez m'accompagner. Moi, on dit. Qui va te délivrer? Amen. Jésus est venu pour les mauvaises personnes. Amen. Aujourd'hui, c'est son témoignage. J'ai quand même la confession. Dieu peut faire d'elle demain une parfaite femme, une puissante femme. Elle est ensuite délivrée des sorciers. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont justes, mais pour les pécheurs. Amen. Ça va? Vous laissez tout là. Tiens, depuis que j'ai ça vient. Je ne vois plus, il y a. Je ne bouge pas. Hein? Ça vient plus. Ça fuit. Elle dit ça fuit. Mais chaque 23h30, ça vient, ça cherche. Donc, ça vient plus. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu? C'est magique, ça va prier. Hein? Ça va prier. Elle est bien, je suis bien. Puis dis-lui les preuves. Non, mais ça veut dire que ma mère est un bel goût. Toi, tu m'as montré. Mon âme, elle n'a pas là. Qui a mis l'eau dans Coco? Bonjour. Mais lui, nous, on était amené sur la papaye. Et ça, nous, on a dit que. Quand le prophète va te délivrer, après de l'engager, les blancs, la sorcellerie c'est une mauvaise chose. Vous avez un sens grave. Ça va aller, t'as compris? Tout à l'heure, va bien. Où? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Lève les mains qui vous. Hein? Elle vient d'où? Vous venez d'où? Elle vient d'où? Venez ici. Vous êtes de quelle ethnie? Je vois ce tigre. Kangaré. Vous aimez Jésus? Hein? Jésus vous aime aussi. Regardez-moi. Comment Jésus va croire, non? Il va partir. Le feu dans tes pieds. Le feu dans tes pieds. Lâche-la, au nom de Jésus.
au nom de Jésus, veilleux, au nom de Jésus, veilleux, au nom de Jésus, veilleux, pas, mais, pas, mais, quitte, ouais, quitte sa vie, ouais, quitte, ouais, va-t'en, mais, va-t'en, mais, va-t'en, mais, réfléchis-toi, que le robot, va-t'en, ne réfléchis-toi, que le robot, j'invoque le feu sur toi. J'invoque le feu sur toi. Le feu du Saint-Esprit. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Mari, esprit. Ça fait combien de temps que tu es dans sa vie?
7 ans. Ça fait combien de temps dans sa vie? 7 ans, c'est ça? 7 ans. Et comment tu es rentré? Par le mari. Pourquoi ça fout comme ça? Pour exposer les bouteilles. Non mais, asseyez-vous. Revenez. Revenez, c'est moi qui vais la science. Comment tu es rentré? Comment tu es rentré? Comment? Et qu'est-ce que tu as détruit dans ta vie? Sans l'école. Sans l'école. Tu as détruit ça comment? À part son école, qu'est-ce que tu as détruit encore? Son mariage. Elle ne va pas se marier. Hein? Où tu as mis le mariage? Où tu as mis le mariage? Où tu as mis son mariage? Où tu as jeté ça? Dans un canari. Et caché où? C'est caché où? Canari caché où? Dans le congé. Accueillir là-bas les choses et en attendant les choses. Même vous êtes un peu beau. Alors, je suis un peu moins, je peux vous en rendre. On est à la fois, mais on dit. Comment tu t'as rangé? Comment tu t'as rangé? Voilà, je suis là-bas, est-ce que tu peux être là? Nani, je suis quand même pour le beau. Et je vais lui mettre du mal. Ah. Comment tu t'es arrangé pour aller mettre ça là-bas? Comment tu t'es arrangé? Tu es là-bas avec elle? Tu es là-bas avec elle? Vous avez compris, hein? Ah non! On a beaucoup de terreau. Tu es là-bas avec elle. Et tu as fait quoi? Elle a lavé son caleçon. Tu as lavé son caleçon. Elle, son caleçon. Et puis. C'est son nom. Tu as pris son nom. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris son nom. Tu as fait quoi? Tu as bu. Et je suis en train d'agacer son mariage. École, mariage, et tu as gâté quoi encore? Qu'est-ce que tu as gâté encore? Elle ne va jamais travailler dans sa vie. Qu'est-ce que tu as fait? Quel travail tu as fait si elle ne pouvait plus travailler dans sa vie? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi sur sa vie? Je vais la Elle était aide-soignante, mais. C'est aide-soignante, c'est ça? Elle me les esprits, elle a arrêté un peu. Laquelle vient? Il faut comprendre pour toi aussi. Hein. Et qu'est-ce que tu as fait encore? Vous êtes combien dans sa vie? Vous êtes combien? Vous êtes combien? Tu as seul.
Maintenant même, je t'ordonne, dans le nom de Jésus, un, restitue ce que tu as volé, ramène son mariage, ramène son intelligence, ramène son travail, ramène sa prospérité. Voilà, ramène ça. Ramène, au nom de Jésus. Si, le feu sur toi, le feu sur toi, le feu, tu vas me ramener ça, maintenant même, tu vas me ramener, maintenant. Au nom de Jésus, ramène-moi, au nom de Jésus. Ramène-moi ça. Ramène. Voilà. Ok. Maintenant, sors. Qui ça dit? Qui ça dit? Vous pouvez être là et puis un sorcier peut vous posséder. Et nous, vous pouvez le lui. Oui. Allez, vous êtes. Oui. C'est là. L'esprit là, il vous possède. Il vous contrôle partout. On caribe, d'accord. Lâche là. Le jour que tu te couvres dans ton sommeil, que les chiens commencent à te poursuivre, méfie-toi, c'est qu'ils ont commencé à te prendre. C'est que la sorcellerie a trouvé ma parole. Quand les bœufs commencent à te poursuivre, c'est que tu. Ils sont déjà dans ta vie. Si tu te retrouves dans de l'eau, pendant que tu es dans le rêve, tu nages, c'est que la semaine tu vas suivre, tu vas connaître des difficultés. Il y a des choses comme ça, je vais expliquer. Les rêves. Magnifique. Quand tu donnes à manger, arrête. La viande, c'est l'initiation. Mais la nourriture, ils sont en train de t'envoûter. Attends, Mourou. On va bien saisir. Amen. On va très bien saisir. Amen. Quand vous rêvez, parce que les gens, quand ils rêvent, quand ça vient, ça marche, ça s'accomplit. Amour, ok, il y a là. Le jour qui fait rêve, j'explique. Il y a rêve, il y a songe. Voilà, je vais bien expliquer ça pour que vous compreniez. Le rêve, c'est l'expression de notre pensée. C'est-à-dire, je suis avec mes mères maintenant. Je m'avais dormi, je le vois. Ça, c'est pas un rêve. C'est un rêve. On a déjà vu tout ça. Mon esprit a retenu ça. Je m'avais dormi, je vois. Maintenant, ils sont. Je suis à quoi tu t'attends même pas. Tu rêves. Tu dis ça. Je l'ai prêté ce que j'ai une réalité. Et il te révèle. Mais c'est comme un fil. Et d'ailleurs, oui, il passe ta pensée, ça entre ta pensée. Et puis, le jour où tu te réveilles, ton cœur va. Ça veut dire que ça va. Les choses que toi, ça accomplit. Et il va ouvrir le couple. Amen. Amen. Quand tu finis de faire ce rêve, et le bien. Fais une action prophétique. Ne pas dire. Il ne faut pas que l'huile manque chez vous. Quand vous lisez dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, et que lui ne manque point sur ta tête. Quand il finit de faire ce rêve, ça prend de lui. Même si t'as fuite. Et je détruis ça avant de ça. Sept fois. Le pouvoir de ce rêve se neutralise. Amen. Sept fois. Parce que la Bible dit quoi? Tout ce que toi tu vas lier, tout ce que tu n'as pas lié, ça va s'accomplir. Et lui symbolise le Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'onction brise le jour. L'onction brise le jour. Et le maître dit ça. Il ne faut pas que lui manque dans votre maison. Nous, mais tu l'as pour un film. Lui ne doit pas manquer dans votre maison. Que lui ne manque pas dans votre maison. Il a écoulé le l'onction, vous voyez là. Même si c'est trop dangereux, tu sens. Et chaque juif a ça dans sa maison. Juif, on connaît un seul. Moi, avant de sortir de ma maison, il va un seul plutôt. Je mets dans ma tête. Dans mais ma bon. Avant de sortir. Même plutôt pour. Il arrose la tête du. On sort un peu. Dieu.
Amen. Amen. Quand tu te vois nu, et que les gens tous toi quand ils rêvent, tu te vois nu, oui, non, non, dans les maisons, des agneaux, des maisons, ça veut dire que toi tu es né pour être pauvre. Et voilà, et on va faire le même. Le jour où on va voir quelqu'un, ta mère, ou ton père, ou ton défunt, on pouvait parler avec toi, non, non, les gars, un esprit de mort se réclame. Pourquoi vous y êtes? C'est-à-dire que tu vas bien là-dedans. Et vous parlez des gars, il est tombé. Parce que l'être humain doit plus avoir contact avec les morts. On est venu en là. Où est-ce que nous? La Bible dit que tu ne reviens personne de mourir une fois. Quand on parle à bouillir, on va se retrouver. Il va venir en même temps. Il faut le jugement. On pense que c'est une apparition. Les gars, il y a des morts. Comment vous pouvez dans tes rêves. Et puis regardez, quand quelqu'un rêve, et puis dans la semaine, pendant une semaine, il vit dans les rêves avec les morts. Dans la deuxième semaine, il meurt. Mais il y a au fond. Si vous rêvez, chaque nuit, vous avez des personnes mortes. Vous les voyez dans les rêves. Oh mon cher, c'est fini, la mort n'a pris. Vous avez dit quoi les raisons? Il n'y a que. C'est quoi? C'est quoi? Mets-le sur ta tête. Puis tu tapes ta tête. Cette fois, au bout, celui qui a lu tout écrit de mort. Au nom de Jésus-Christ. Je vis une vie ma vie. Pendant trois jours. Et il est temps. On m'a bien saisi. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Le prophète peut demander d'enseigner différent de celui du pasteur. Pasteur, il dit un professeur du soir jour. Et on a professeur de maths, c'est pas pratique. On a dit, il est venu. On a dit, il est venu. Pasteur, il ne faut pas coucher la femme du voisin. Le prophète peut enseigner des mystères. Mais à lui, des choses les plus cachées. Oui, à lui, sur le monde, il peut être. Et il détient ça, ce Seigneur. C'est pour ça qu'il a pu dire dans 2 Corinthiens 15. Confiez-vous à ce prophète et vous rassurez. Le prophète est un consultant. Quand tu vois quelque chose de bizarre, parle de prophète. Le prophète dit que t'explique. C'est encore le sous. Amen. Amen. On dit amen. Amen. On va bien expliquer. À nous. On va bien expliquer. Mais plutôt, on a bien compris plutôt. À nous. C'est bien saisi. C'est très bien saisi. Amina, vu que vous voyez, vu à Dieu, c'est moi qui s'en manque chez vous. Et il a eu pour un seul. Et vous pouvez le suivre. Ça va? Amen. Si tu vois dans le rêve, et quand il a un serpent, très mort. Bien, bien, bien. Où est-ce qu'on te fait une injection? Où est-ce qu'on te fait une injection? C'est que tu as une maladie très grave. Et vous avez un état pour qu'il y ait une opinion. Une maladie très grave qui va t'emporter. Comment on y a une famille? Amen. Et qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi de ton lit. Là où tu es réveillé, verse l'huile. Et tu marches dedans. C'est dans les tuyaux. Où dit Jésus-Christ a vaincu la maladie. On s'y a goût. Dans Esaïe. Esaïe, vous voyez. En toi. C'est la même qui connaît Jésus-Christ. C'est pas sa maître sur. On est bon, mais nous sommes guéris. Donc j'annule. Donc Esaïe. Pour voir la maladie. Vous voyez, c'est aussi ma vie. J'ai dit, et nous qui avons le pouvoir. Allez, dit. De délier et d'annuler. Le diable projette des choses. Puis il envoie. Une fois tu n'annules pas. Ça va connaître Dieu. Et non, non. Et il y a une vie. Amen. Amen. C'est comme une bombe. Et puis la raison est que tu ne viens pas désamorcer. Et dis-le ça. Les heures qui suivent, ça s'explose. Donc Dieu te montre. Le problème, c'est que Dieu vous montre. Mais vous ne pas au Seigneur. Mais attendez, quand le diable agit, même vous avez dans la mer rouge. Dis-le. Il n'est pas descendu. La rouge est en Dieu dit à Moïse. Voilà, Moïse devant. Pas à la mer, toi. Bah, il y a le salut. Tu as le pouvoir. Et quand Dieu. Amen. C'est toi qui vas parler. Moïse, bah. Il y a toute situation. Oui, pourquoi? Qui est présente à un enfant de Dieu. Et un miracle déguisé. Amen. Amen. Sur sa affaire. Mais bon, si tu avais quelqu'un qui l'a décidé de ne plus marcher avec toi, non, quand il y a une bénédiction. Et le libre. Amen. Amen. Alléluia. Le jour au chemin, il y a un arrête. Tu envoieras une autre personne qui te conduit dans ta bénédiction. Non, quand le pas. Nul n'est indispensable sur cette terre. Je vous, c'est bon. Parce qu'il y a des personnes. Quoi encore?
À un certain niveau de bénédiction, le règne de Dieu va rentrer toi là-bas. Vous vous séparez. En nous, vous allez aller dans la séparation. Vous allez bien. Pour pas vous en mal. La ligne de Dieu. La commande mouillée. Il a fallu que Abraham se sépare de l'autre. Et là, avant la l'autre, pour que l'autre, pour que Abraham prenne. Abraham, encore les bénédictions. On nous fait le prix. Amen. Amen. Les gens, quoi en plus, se séparer de toi. Et là, maintenant, c'est vous. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. C'est quand même quoi, voyez. Tout ça que moi, Crasso. Nous, je ne mange pas une n'importe qui. Et là, pourquoi on a été? Je suis désolé. Ah, non, je ne marche pas avec toi. Et là, pourquoi on a été de vous? Quand je marche avec toi, et là, quand il y a quelque chose qui est bon. C'est bon pour vous, mais elle peut avancer. Et là, quand il y a quelque chose qui est bon. Terminé. Ne marche pas avec n'importe qui. Vous levez ma tête parce que je veux Dido. Vous souriez tout le monde, vous riez tout le monde. Ah, aussi, la vie n'est pas faite pour rire tout le monde. Bible, non, c'est pour réussir. Même le marche avec celui qui est prêt à avancer. Celui qui n'est pas prêt à ne pas avancer, ne le fait pas. Amen. Amen. Et le secret de la réussite. Parce que c'est lui. Il ne peut pas réussir, il va te contaminer. C'est pour ça que les riches passent avec les riches. Je vous bloque, Lui parle de millions, toi tu parles de millions. Moi, j'ai des millions. Tu prends 1000 francs. Mais moi, il m'a dit, t'es un banquier. Vous dites quoi? 1000 francs. T'es un banquier. Lui, c'est lui qui veut apporter des idées. On a moi, le cher, on a pour les mots. C'est que les riches, eux, ils marchent en réseau. Qui marche avec quelqu'un qui n'est pas ambitieux, et n'est pas un homme à honneur de l'école. Donc la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais puis à un moment, on est encore. C'est ce qui est mauvais là, va venir de ce qui est bon. C'est qui est mauvais là, ça détruit tout ce qui est bon. Et pour un tableau, c'est le loup. Fais très attention. Ah, il m'a dit qu'il y a ça. Moi, je marche pas n'importe qui. Amen. Quand il te regarde, je crois que c'est qui en toi. Et le plus bon. Et bon. Il est bon. Il ne sait pas de toi. Et il est bon. Amen. 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 Est-ce que tu m'as saisi? Amen. Vous souriez n'importe qui. En quoi vous souriez n'importe qui. En quoi les gens. Vous êtes n'importe qui. En quoi les gens. Et ailleurs, appelle-moi. Je n'ai pas ce temps. Et il est bon. Quand on cause, on va parler de la fin. À quoi vous voyez dit. On doit être béni. Comment tu as acheté nos voitures? Comment on va construire nos maisons? Comment on a merci? Chéri, mon frère. Chéri, mon frère, ne te regarde pas. Amen. Comment je dois parler, toi, par là, traiter sorcier? C'est pas pour bénir. C'est ça! Mais bon. Lâche-la. Elle doit rester. Vraiment, elle a 4 jours à faire. Le jeûne. Tous les soirs. Mais elle ne mangera que de la bouillie. Et bacate. Mon nom François du bacate. Bacate, mon vie. Et puis comme ça, elle sera délivrée. Parce que c'est sa destinée, c'est vraiment terrible. Allez. Soit il a caché dans l'eau. Pendant que je parlais, je vois une rivière. Il s'est foutu dans la 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 rivière. Amen. Je lève la main à la défense. On dit amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est un ministère prophétique. On dit amen. C'est un ministère des prophètes. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens sont tellement habitués au ministère pastoral. Donc, par moment, quand ils fréquentent les prophètes, ils sont par moment choqués. Ils sont tellement choqués. Oui, parce que le prophète, lui, il est dans les actions prophétiques. Ce n'est pas une prière. Voici le danger. Homme de Dieu, prie pour moi. Moi, je te montre comment faire. Et c'est pas pour prier. Je viens commander. Et il ne sort pas.
ce qui n'existait pas. Amen. Que ça puisse vraiment exister dans ta vie. Je viens ordonner. Et parler à ta vie. Parce que c'est ça le prophétique. Mais de parler. Prophétique, donc, c'est de parler. De déclarer des choses. Lorsque Samuel a rencontré Saül, il a eu la révélation. Oh, yeah. Des choses qui devaient arriver. Oui, mais il faut que des racontes. Quelqu'un qui te bénisse. Il va créer des rencontres. Il créera toujours des rencontres. Il va créer des gens pour parler sur toi. Amen. Il créera des rencontres. Parce que qu'est-ce qui a été dit que Dieu entre en scène dans ta vie? Si rien n'a été dit, vous ne ferez rien. Regardez, Dieu dit à Abraham, je vais te donner un enfant. À Sarah, un enfant dans la vieillesse. Ils ont attendu l'enfant. Mais un jour, pendant que l'homme, les anges, allaient à Sodome et Gomorrhe, après ma vie, il a dit voilà, une occasion. Aïe, vous laissez les hommes de Dieu passer. Aïe, vous avez plaqué eux, ils sont sous les pieds. Aïe, frère, ne laissez pas un homme de Dieu chez toi. Et quand il a bien reçu, tu l'as bien reçu. C'est une bénédiction. Abraham a compris. Il a appelé les anges. Quand les anges sont arrivés à la maison, il a donné à manger. Les anges lui ont commencé à parler. Ils ont dit Abraham, l'année prochaine, à cette même date, Madame Sarah aura. Et moi, Sarah, on a eu. Et je n'ai pas aimé pour ça. Moi, je l'ai oui. Amen. Dieu avait parlé. C'est la parole des anges qui a mis Dieu en scène dans la vie d'Abraham. Il y a une prophétie. Mais qu'est-ce qui a été dit? Quelle rencontre? Qui tu as rencontré? Le prophète est là pour ça. Son ministère, c'est de déclarer les choses. De parler. C'est pour cela qu'il y a des gens souvent qui pensent. Nous, il y a une dame qui m'a appelé sur Sky, je cause. C'est fini. Je cause pas, je ne sais pas causer lui. Nathalie, il est où? Non, je ne suis pas venu pour causer un gars. Ça va? Mon équipe, ça va? Non, pourquoi? C'est fini. Amen. Donc, c'est un ministère prophétique. Vous savez pourquoi être beaucoup patient? Même dans la copie, on y amen. Il faut être beaucoup patient. Je peux même ne pas te recevoir. Et là, il est. Mais le fait que tu aies fréquenté, l'esprit de Dieu te visite. C'est tout. Amen. 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 Maintenant, Dieu lui-même me met par moi à cœur. La première fois que vous voulez. Amen. Je suis en train d'organiser. Souvent, je m'organise pour le faire, je vous ai dit stop. Et Dieu me montre les cas. Il a dit aujourd'hui, il y a des choses que je vais vous expliquer. Oui, il y a des sujets que Dieu me donne. Il y a des choses que je vais vous expliquer. Je ne sais pas les comptes, je ne vous ai pas vu. Comme vous n'avez pas causé à moi. Et là, côté, que rien ne s'est passé, non. Non. Oui, dès que vous mettez les pieds à prière, Dieu se met en scène. Et quand il y avait Dieu sur la table, sa fille suivait les mêmes bizarres rénales. Ça va, c'est ici. Ce bébé là, ouais, ses yeux voient noir, elle était totalement enflée. Elle était enflée cette fillette. Elle souffrait de l'insuffisance rénale. Et c'est ici qu'elle a été guérie. Sans que je n'impose la main. J'ai seulement levé la main pour prier. Et le Seigneur l'a totalement guérie. J'ai dit à ce monsieur, que tu seras guéri ici. Qu'est-ce que tu as ressenti? Non. Depuis un moment, qu'est-ce que tu as senti? C'est pas enflé, ça a commencé à diminuer. Oui, mais c'était là, ça marche. Ça marche. Qu'est-ce qui a commencé à diminuer? C'était où d'abord? C'était ici. Regardez. Je vais vous choquer un peu. C'était où? Regardez. Le mal était jusqu'à son genou. Et ça a diminué. Ça a diminué. Et l'autre côté, vous allez voir, il est là pour un mois. Je lui dis un mois. Les mêmes qui ont présenté ça aux gens ici. Dites amen. Notre Dieu, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Et ça va beaucoup.
Ça a diminué, non? Vous me sentez que ça a diminué? Acclamez Jésus. Je vais dire derrière moi. Même Jésus-Christ de Nazareth guérit son pied. Amen. Il est le Dieu des miracles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais seulement donner le jeûne. Et il ne va pas poser les mains. Mais si Dieu opère le miracle, tu les mains des pieds à Péniel, symbolise la face de Dieu. Il ne faut pas donner un nom comme ça aux gens. Avant de donner un nom, il faut connaître la signification du nom. Joël, shalom. Shalom qui dit la paix. Celui qui est chanceux. Amen. C'est vraiment important. Mais non, toujours a un impact. Non, c'est le nom de mon nom. Et si ton nom était sorcier, que tu donnes le nom à l'enfant, l'esprit vient de la sorcellerie, vient. Le nom de Zadie, Zadie Bapé. C'est l'esprit de Zadie Bapé qui va venir. Zadie Bapé, on est où dans où il y a mon bruit. Parce que l'esprit ne m'est pas. Le monsieur est mort, Zadie Bapé est mort. Zadie Bapé au bout. Mais l'esprit n'est pas mort. Mais vous connaissez le bout. Et Satan est aéré comme ça. Dans un bide. Donc quand tu donnes le nom à Zadie Bapé, mon nom qui est mort là, au bout, c'est son nom homonyme là. Allez, immédiatement, le démon vient et rentre à lui. Et puis le nom de celui-ci, ça. Mais le démon vient de posséder. Faites très attention. Avec les noms qui vous donnent. Les noms qui vous donnent. Très attention. On ne s'élève pas comme ça. Ce sont les secrets qu'on nous enseigne à Péniel. Je vous ai parlé aussi du plan Santa. Et le roi naît, le plan Santa, dans les chameaux sages de jeter. Non. Ne donnez pas à quelqu'un d'aller enterrer. Vous-même. Et vous prenez ça. Vous ouvrez la terre. Parlez sur ça. C'est pas le bon. Ce petit enfant qui vient de naître. Je crois qu'il sera sur cette terre. Qu'il ne joue pas dans tout ce qui va arriver. Et la terre a les oreilles. Quand la terre enregistre. Mais je l'ai caché, mais ma bouche là, t'as pas dit. T'as dit. Donc, les voilà, c'est des jumeaux. Un garçon, une fille. Mon fils salue les gendarmes. Moi, gendarme. Le gars vient, nous aussi. Oh, il a un. Je veux les placata là. On a pas de bébé. À 500 000. Il a un mot. Le papa a déjà demandé ça. Ah, tu vois, il y a un mot. Il connaît déjà, c'est ça. Donc, le père est prêt. Yo, après, si tu veux pas les négocier, c'est le papa. Et quand on vient dans le lui, il vient négocier. Mais yo, il vient dans le lou. Et si tu veux faire ça, bien un militaire. Tu as commencé à tuer le gars là. Il veut pas. Il a compris que c'est un sorcier. Non, c'est-à-dire. C'est moi qui ai calmé par là, il m'a appelé, il a appelé le gars. Ah, c'est un truc spirituel. Il faut laisser ça. Attention. Vous n'avez pas qu'au village, quand un enfant naît, les gars là. Allez, bien, Diego. Il y a un peu de temps. C'est Platata va prendre. Il va parler. Est ferme.
celui qui va enterrer ton place. C'est celui-là qui oriente ta destinée. C'est ça que le nombril, le cordon, même au riné. Quand ça va tomber, il ne donne pas n'importe quoi. Vous prenez ça. Lui que vous voyez là, parlez au chef. Pour lui, le bébé là, son cordon ombilical. Quelle sorcier a une influence sur lui? À ce parler le cordon ombilical, on vient attaquer quelqu'un. Faites très attention. Si ta femme accouche à Nia, aujourd'hui, les francs-maçons, les médecins, ils travaillent beaucoup et ça. Parce que s'ils mangent ton placenta, ils ont la chance. C'est pour ça qu'il y a des. Moi, je m'en fous de celui qui va prendre son envie de prendre. J'ai dit la vérité. Le mot malédiction. Il est pas venu. Homme et homme est une malédiction. Bon, femme et femme est une malédiction. Non, 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 non. Et tous les pays où ils ont voté la loi, c'est une malédiction sur les pays. D'accord, je sodome, je sodomisais que Dieu a brûlé ce que l'homme est dehors. Et Satan est venu. C'est une loi franc-maçon. N'appuie pas les francs-maçons, toi tu votes les lois. Je suis désolé, un président des États-Unis nous a tous remis. Il vient en Afrique pour dire à un président sénégalais de légaliser l'homosexualité. Tu trouves que c'est normal? Tous les pays qui pratiquent ça sont sur une malédiction. Le jour où il y a vu la France légaliser ça, il y a eu le problème de la France à commencer. La France, le problème a commencé en France. Tout le problème a commencé en France. Parce que c'est combattre Dieu. Et défier Dieu. La gomme, et les femmes, après, dit quoi? En couchant avec un garçon, bien, il prend son pouvoir. Et bien, parce que le péché est rempli par la femme. Mais il y a le pouvoir, c'est pendant la période lunaire. La croissance lunaire. Ça fait cette période-là. Et elle couche avec les hommes. Ils ont le pouvoir. C'est des choses que tu veux connaître. Oui, mais si j'ai pas d'information, je connais. Parce que je l'ai étudié. Amen. Quand il faut l'étudier. Et quand il est médecin, il meurt. C'est toi qui dirige le monde. Moi, quand tu le veux. C'est toi qui connais les banques. Moi, quand je vais te dire que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Nous avons le pouvoir en nous, à la tête de l'humain. Le test de comment dominer. Allez, on va dire que c'est le test de comment. Comment dominer. Il est le comment. J'ai dit, c'est un mot grec, c'est le latin. En latin, ça dit dominer. Dominer, tu veux être maître. Kanyo. Être maître. Non, kanyo. Tu aimerais que tu sois maître. Non, de l'amour. De ta maison. De ton travail, la nourriture, tu le meilleur. La nourriture, tu es le meilleur. Avec moi. Amen. Dieu t'a créé pour que tu sois maître. Et t'as qu'un nom. Ça prouve que tu es unique. Mais il n'y a pas quelqu'un comme toi. Il n'y a pas ton deuxième. Il n'y a pas ton deuxième. Si il y a deuxième, c'est que toi, tu n'as plus existé. Et il y a un peu de temps encore. C'est ça que tu es. Le moment. Champion. Et le coco. Dieu t'a créé. La nourriture. Pour toi. La nourriture. Dieu t'a créé pour dominer. Pas pour qu'on te domine. Il y a encore un bon pour dominer. Mon nom, Génial, le chapitre 1, le verset 6. Alors, Génial, c'est quand, Seigneur. Génial, le chapitre 1, le verset 6. C'est le même que j'ai pris. J'espère que la parole de Dieu n'est pas somnifère. Lève la main, ceux qui t'en va. Ah, que c'est quoi? Et quand il y a. Tous ceux qui t'en font les sorciers. Moi, ceux qui campent les sorciers, allez, ceux qui
Ceux qui sont pas sortis, ils n'ont pas levé la main. Voyez pourquoi là, non, Jésus. Vous savez, il dort maintenant, c'est des choses. Ah non, moi, mais t'as vu, vous avez vu, c'est la nuit aux arrêts tout à l'heure. Ah, t'as vu, vous êtes à la brigade. Bien là, comme nous. Ouais, on va vous arrêter tout à l'heure. Marie-Charles, les gens, ils vont la maca ici. Maca, vous pouvez ouvrir la correction. On donne à notre maca. Accabez la maca où? Amen. Vous savez, la Bible dit quoi? En temps de connaissance, le peuple de Dieu périt. Et dit, la seule chose que le chrétien ne cherche pas, c'est la connaissance. Et à partir de la connaissance, et dit, que vient la grandeur. C'est pour ça que vous allez regarder les blancs, chez les blancs. Chez les blancs, on fait un rang, on les libérés. Chez nous, c'est devant ton père. En fait, monsieur, comment ton père chaud? Bon, je n'ai pas regardé. Et qui va moi? C'est mon premier. À la boulangerie. Pour moi, la richesse de la connaissance. On va dans tout ça qui domine.